Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fifou et on se retrouve pour la suite de Legend of Zelda Ocarina of Time. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait pas bien avancé, enfin, on avait fait le temple de la forêt, puis Link avait eu des révélations comme quoi il n'était pas un Kokiri mais un Hylien. Et là, on se retrouve au temple du temps pour aller voir Check. On va aller voir Check, on va lui dire un petit bonjour. On va essayer de revenir enfant, puis on va chercher des petits cœurs de cœur qu'on a bêtement oubliés. Hein. Et après, on essaiera de se diriger vers le monde du péril. Tu as détruit l'odieux fantôme de ce temple et éveillé le sage. Mais d'autres sages ont besoin de ton aide. Pour éveiller d'autres sages, tu devras encore devenir plus puissant. Va par les montagnes, sous les flots, et deviens un voyageur du temps. Vous voyez, j'ai mal passé. Glisse l'épée des légendes dans le piédestal du temps. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Peut-être qu'il est vieux alors. Tu souhaites affronter à nouveau les puissants ennemis quand tu as terrassé allongé dans ton lit d'enfant. Alors là? Tu pourras alors les combats dans le royaume des rêves. Donc oui, on peut recombattre les boss qu'on a déjà affrontés. Un jour ou l'autre, tu pourras venir ici au plus vite. Écoute-moi. Et ton esprit volera, défiant le temps et l'espace. Entends et apprends pas, car voici le prix de la lumière. Avec le prix de la lumière, on va pouvoir venir dans le temple du temps. Bon, bref. Bon, ça, c'est pas compliqué. Et voilà, tant pis. Après, il faut se dire qu'il n'y a pas vraiment un ordre précis après pour battre les pour aller dans les donjons en fait. Il n'y a pas d'ordre précis après. Aussi longtemps que tu garderas l'Ocarina et l'épée de légende, le temps sera avec toi. Link, à bientôt. Très bien. Check, tu as mystérieusement encore disparu. Donc on va redéposer l'épée et puis on va redevenir un petit jeune gamin. Attention! C'est parti. Et voilà Link, tu redeviens enfant avec ton épée. Voilà, et puis avec les armes. Et maintenant, on va s'amuser. Maintenant, on va aller où maintenant? On va aller où? Y a un truc que j'avais pas fait, que j'ai complètement zappé. Y a un truc que j'ai zappé, que je vais aller faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va faire simple. Déjà, il y a un truc à faire que je n'ai pas fait, que je vais le faire tout de suite. Voilà, donc le twin. On a pas mal de rubis. On va aller voir le mec là qui vend des haricots magiques et puis on va aller planter un au lac Ilia et un au cimetière. Ce qui fait qu'on pourra obtenir des cartes de cœur, donc c'est cool. Je me débrouille, je pourrais obtenir des cartes de cœur. Donc là, je vais le faire. Hein. Au bois perdu, je crois que je pourrais dépouiller. Ouais, mais je m'en fiche un peu en fait, j'irai pas y aller, j'irai pas. Non, franchement, non, y a rien à faire. Donc, non, bois perdu, j'irai tout. Non, bois perdu, une culture là, mais je m'en fiche complètement. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bon, il parle, bien sûr, elle parle pour le futur, hein, parce qu'il y a un nuage mystérieux là. Ah, et le jour se bat. Le jour se laisse. Bah, se s'allume. Hein. Enfin, se fait. Le jour s'éteint. 48 pièces. Ouh, c'est de la grosse arnaque, ça. Bon, je vais acheter une bonne partie parce que c'est pour dépenser mes rubis. Voilà. Et maintenant, on va aller au cimetière. Planter la graine que j'ai malheureusement oubliée. Vous vous rappelez? C'est parti. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira à la vallée Gerudo chercher un quart de cœur. Ouais, à la vallée Gerudo, on n'y a pas encore été. Puis on ira planter une petite graine au lac Ilia. Puis voilà, après, ça sera fait. On reviendra adulte et c'est bon.
Oh bah tiens, il y a des copains. Bon bah je vais faire, écoutez, je vais faire une ellipse. Hein. Nous revoilà au cimetière. Donc là, on va déposer une petite graine. Hein. Nickel. Allons planter une petite graine. Ah ouais, j'avais oublié. Voilà. Là, je pourrais planter un petit insecte, hop, avoir une sculpture là. Là, je sais plus si c'est possible maintenant, j'ai planté une graine, je sais plus si c'est possible maintenant. Donc maintenant, on a fait ça, on va pouvoir aller à la vallée Gerudo. Écoutez, les gars, on va aller à la vallée Gerudo. Hein. Chercher un petit quart de cœur qu'on peut avoir dès le début du jeu, mais j'ai préféré l'avoir après là. Enfin, j'aurais pu planter une granola qu'il y a, mais comme je vous l'ai dit, j'ai zappé. Ah, j'ai oublié pas mal de choses, dis donc. Hein. Bon, grave. Alors, on avance. Hein. La vallée Gerudo, je crois que je sais même plus où c'est. C'est au nord. Oh, je sais plus, honnêtement, je sais plus, je suis perdu. Oui, voilà. Bon, c'est où alors? La vallée Gerudo, c'est où? Oh, des potes! Ouais, je crois que c'est au milieu, je crois que c'est là-bas. Ah, il faut je crois que ça suit une logique aussi, je crois. Ah bah il va vers beau temps. Tant mieux. C'est par où la vallée du rideau? Je sais même plus. Là si je vais par ici c'est le Kokiri. Si je vais par là. Cocotte. Ouais, de toute façon, c'est des gros monstres là-bas. Faut éviter de les toucher parce que, enfin, les gros trucs là, vous voyez, espèce de plante, l'espèce d'ananas géant là. C'est un ennemi, attention. Qui joue dans les vainqueurs. Hein. Voilà. Les Gyarados, c'est par là. Oh, mais il y en a même là! Donc c'est dans la vallée Gerudo, mais bon, c'est un endroit qu'on va très tardivement dans le jeu. Là, je vais juste chercher un quart de cœur et chercher, et puis planter une graine au Lakilia. Bon, après, je pourrais aller au Lakilia directement, mais je préfère faire une pierre deux coups et puis choper le quart de cœur et aller au Lakilia par la même occasion. Après, j'irai chercher le quart de cœur en étant adulte au cimetière, et après, on pourra enfin avancer dans le monde du péril. Puis d'ailleurs, oh, c'est au village Kuriko, donc j'ai encore une pierre deux coups. Ah, mais voilà. Moi, la vallée Gerudo, on peut pas y accéder, mais. Oh, on peut pas y accéder. Mais bon, pourtant, on peut y aller. Une seconde. Ouais. Alors, on va chercher un quart de cœur qui se trouve là-bas. On pourrait aller à la vallée Gerudo, à la forteresse Gerudo, mais ça m'intéresse pas. Là, je pourrais aller là. Ce qui fait que. Voilà. Et chercher un quart de cœur. Voilà, chercher un quart de cœur. Qui au passage est très bien caché. Et voilà. 11 cœurs maintenant. Je vais me planter une graine ici, je crois.
Non. Voilà. Qu'est-ce... Ah, il n'y a pas de sculpture. Magnifique plongeon. Wow. Et voilà. Et on se trouve au lac Kenya. Re-excusez. Voilà. Alors, je vais attends, je suis, je sauvegarde. Non. Donc là, je vais me planter une graine et je vais revenir au temple du temps. Ah, il y a un truc là. Attendez. Donc là, ah bah j'ai déjà planté la graine. Non, ah bon? Je crois que je l'avais pas planté. C'est quoi ce délire? Et le stupide, bien sûr, elle disparaît parce qu'il commence à faire. Pourquoi il commence à faire le jour? Bah mince alors, bon, pas grave. Bah écoutez, on va revenir au temple de la lumière. Hein. Je crois que je me rappelais pas l'avoir fait. D'accord. Ah non, mais qu'elle est en douille! J'ai encore quelque chose à faire au lac Kilia. Non. Bon, je vais faire une ellipse parce que j'ai encore quelque chose à faire près du. Pas du lac Kilia, mais près de la fontaine Zora. Bon, allez, ellipse. Alors, nous retournons à la fontaine Zora, que j'ai complètement zappé un truc. Écoutez, il y a un truc à faire à la fontaine Zora, je vais vous le dire. C'est pas ailleurs pour obtenir un quart de cœur, et puis il fallait au moins 6 chansons. Les chansons, la prise de la lumière, le menu des bois, ils ne comptent pas. Il faut les chansons qu'on apprend, comme le genre des poneys, etc. Et qu'il faut donner à des crapauds qui vont nous écouter, puis ils vont écouter 5 ou 6 chansons, et puis après ils vont nous fournir un quart de cœur avant de nous fournir, avant de nous fournir un quart de cœur, ils vont nous fournir des rubis. Regardez, on se met là, là il y a... Ah mais non! Les crapauds vous toisent depuis le fond. Voilà, ils disent qu'il y a des crapauds qui m'écoutent. Punaise, mais comment on sort? Faut se mettre au bord, mais c'est... Oh, eh bien. Prêt? Et voilà. Les crapauds se mettent ici. Et pour aller garder le cœur, il faut moi chanter 6 chansons. Donc je vais chanter les chansons qui me viennent à l'esprit. Si je chante la période de la lumière, ça ne marche pas. Les chansons là ne marchent pas. Vous voyez les chansons que j'indique là, ne marchent pas. Celle-là, elle marche. Écoutez, on va chanter la première. En fait... Il faut bien retenir comment ils réagissent. X, A, voilà. Regardez. Voilà. Faut bien regarder ceux qui bougent. Après, parce qu'après, on pourra gagner des rubis, je sais plus quoi. Après, on peut gagner des trucs. On pourra prendre pas mal de trucs, je sais plus quoi, mais... Bâtard, il te donne des rubis, et des rubis violets. Ah, je me rappelle pas de ça, des rubis violets. Ah, ils sont sérieux, les mecs, ils te fournissent des rubis violets. Bon, pas bien. Elles fournissent des rubis reviolés, bah c'est trop cool ça. Et voilà, donc ils grossissent, hein. Alors encore une chanson, après je vais aller voir le mec qui vend des haricots magiques. Ah, c'est bien fait! Et là, surtout que ça suit la logique parce que là, le crapaud est en haut à droite, le crapaud tout à droite. Mais je suis sûr de m'aider très bon, crack! Pourquoi vous n'êtes pas revenir nous jouer? Et donc, voilà, donc on va aller voir le mec qui vend des haricots magiques. Haricots magiques. Il faut descendre, donc ça, c'est embêtant. Là, je suis au max de mes rubis là. Oh non! Elle me dit pas que je vais me retaper tout le chemin. Faut croire, bon allez. Elle va se retaper tout le chemin, les gars. Non, non, c'est bon, je veux pas me retaper tout le chemin. Voilà. On peut même, je garde, on peut même soulever ça, je crois. Ouais, ça marche. Hein. Depuis qu'on a le bracelet gros, ça marche bien. Hein.
Allez mec, bien sûr qu'on attaque qu'on viole une poule, bah elle va nous attaquer bien sûr. T'es dans un manche d'honneur, prends 70, tiens c'est de la promo mec. Offre de folie! Bon, une fois le mec, c'est cool qu'il fasse ça, quoi. Oh, vas-y, tu pouvais y aller, quoi. J'ai des points graves. Et on va aller revoir nos copains, les croac-croac, les croac-croac, hein, les croac-croac. D'accord? On va aller revoir les croac-croac, les croac, les croac. Les crapauds, bien sûr. J'allais pas retomber, quand même. Non, et tu vas pas me taper? Non, mais oh. Voilà, tiens. Pour ta peine, mon gars. Une cocotte. Oh non, mais vas-y, je peux même pas. Bien. Alors, on va voir les cocottes. Les cocottes, les crabes popos. Elles ont bien grossi, les cocottes. Bon, on va rechanter des chansons. Allez, on va rechanter des tempêtes. Et donc, là, on va chanter le sixième chant, la sixième chanson. Non. Voilà, donc là. Attendez, va être contente que. Oh, crap, là, c'est des fines. Tiens, prends ta peine, prends un quart de cœur, je sens sous la pluie. Merci, à bientôt. Et si je reviens là. Ouais. Merde. Oui, en fait, il y a des insectes, il y a des... Mais vas-y, c'est... Vas-y, c'était... Là, j'étais pas assez rapide, en fait. Enfin, je sais plus ce qu'on gagne après. Ah, c'est affreux, ils sont affreusement rapides, quoi. Il faut avoir du réflexe. Bon, genre, comment je vais y arriver? Putain de merde, j'ai raté. Ah putain, ils sont rapides, hein, les enfoirés. Hein. On commence. Vas-y, j'ai appuyé sur le bouton, le pire. Je suis pas assez rapide, à mon avis. Bon, on recommence. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, c'est pas assez rapide, en fait. Bon, on recommence, on va y arriver. Hein. Ouais, bon, ouais. Après je laisse tomber ça. Mais notre quart de cœur, ça va être important, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire qu'on va jouer le prélude de la lumière. Et on va revenir au temple du temps et aller chercher le quart de cœur qui nous manquait. J'ai combien de rubis? J'ai 150 rubis. Ouais, ça va le faire. En plus, je vais faire une partie de flèche en plus. Ouais, vous avez bien entendu, je vais faire une partie de flèche. Nickel. Après je m'arrêterai bientôt en fait. C'est vrai, on n'a pas éventuellement avancé dans cette partie.
Mais on a fait des mini-jeux, on s'est amusé quoi, c'est un petit peu amusé. Je cherche les cartes de cœur que j'avais zappées. Bah, c'est pas mal, bon voilà, on revient à Link. Hein. Le Link, le vrai, le dur. Et nous allons aller au village Cocorico. Pourquoi faire? Ouais, bah, pourquoi? Ah, bah, tout simplement pour aller chercher le grand carquois, je pense, et aller chercher un car le quart de cœur qu'on a zappé au cimetière. Voilà. Et voilà. Pardon. Donc ça nous chope, ça nous chope les squelettes là, hein, ils nous enlèvent un cœur entier. Hein. Enfin, c'est mal. Sacré nique. Bon bref. Bon, je pourrais prendre le cheval, mais je peux tuer le cheval pour 50 mètres, quoi. Enfin, 50 mètres. On va dire un kilomètre, quand même. Déjà, on va aller au cimetière. Le cimetière où j'avais zappé le quart de cœur et que le quart de cœur, bah oups. On se donne là Ocarina of Time, mais apparemment il y aurait un quart de cœur en trop. Un quart de cœur apparemment qui. Hop. Qui. Apparemment. Enfin, il y aurait pas. Il y aurait pas. Il y aurait un quart de cœur en trop dans le jeu là en fait. Il est possible d'avoir 20 cœurs et un quart de cœur. Enfin, j'ai vu ça dans une vidéo. Là où maintenant? Ah, il va juste là. Bon, on va jouer un petit peu. Ce qui se passe. Oula. Oh. Donc là on va jouer à un jeu sympa, on va jouer au jeu de flèche. Hein. Et après on s'arrêtera là je crois. Bon, ok. Tente de tir. Veux tenter ta chance, c'est 20 rubis. Genre. Re, excusez-moi. 20 rubis, c'est parti. Je fais pas question. Non, ça je n'ai pas pris le gamin. C'est juste 32 tirs. Bien sûr, je peux utiliser ma 3DS, mais j'ai pas envie de la manipuler comme ça. Je vais faire avec les flèches. Vise bien et dégomme ce qui paraît. Par touche pour te toucher plus de 10 cibles, tu as 15 essais. Fais-moi un sans faute pour voir. Bon, déjà, je commence déjà bien. Hein. Bon, là, déjà, c'est déjà plus dur. Puis rubis et les rubis, le lance-pierre, c'est pas la même chose, hein, je vous dis. Ça, je vous le dis clairement, le lance-pierre et le rubis, c'est pas la même chose. Ouais, bon, je sais pas, la prochaine partie est gratuite, donne-toi à fond. Je crois qu'il va nous donner beaucoup plus. Pour revenir, mais vas-y, la flèche qui va là, quoi. Ah, ça change! Oh non, enculé! Excusez-moi. Enfin, putain de timing chaud. Oh putain. Oh, vas-y, presse. Ah, pourquoi la flèche elle vole à chaque fois? Ça change, vous avez vu, ça change à chaque fois. Fils de. Ah oh, putain, presque. Pourquoi il y a toujours une flèche qui vole là? C'est vrai. Putain de sœur! Je fais de la merde, hein. Je fais de la mouise. Hein. Ah putain, j'ai pas de synchro, je suis pas synchro là, c'est pas bon.
Ah, je suis pas synchro, bordel de merde. Bon. Ouais, voilà, j'ai fait vraiment de la merde. Hein. Putain de sa sœur, putain de sa race. Pardon. Vas-y, je peux j'ai visé quand même. Hein. Oh putain, vas-y. Oh, pourquoi il y a toujours une flèche qui vole là? Ça me saoule. Oh putain de sa mère, j'en ai marre, il y en a toujours une qui me manque là. Vas-y, suivant. Il vole 5, vraiment 5 roues, ça assume. Pourquoi toujours une flèche qui vole là? Ça me saoule. Non, mais c'est super casse-cou, vous pouvez pas comprendre. Ça me saoule, je peux pas ça, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre comment c'est la rage que tu rates comme ça. Je vous assure, c'est grave la rage que tu rates. Que tu rages comme ça, tu trouves pas, là, t'arrives pas à la voir. Bon, voilà, je peux au moins faire ça. Pourquoi j'ai toujours une flèche qui vole comme ça? Oh non, sa mère la pute. Synchrone mes couilles, hein. Excusez-moi. Allez, un petit rubis, vas-y. Putain, j'y arrive presque, hein. Voilà, à chaque fois j'ai un rubis, voilà, j'ai toujours une flèche que je perds. Ah non, ça bug. Ah non, c'est américain, excusez-moi, j'ai rien dit. Non, non, vas-y, j'y étais là. Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver. Je vais me le faire ce jeu. Vas-y, tire! Pourquoi il voulait pas tirer tout à l'heure? Quel bouton B qui veut pas agir. Tu veux me faire rager ma parole ou c'est juste une impression? Ce jeu veut me faire rager, je crois. Vous avez bien compris, ce jeu veut me faire rager. Là, je suis super chaud là. Mode speedrun. Putain de sa mère, je vais me le faire ce jeu. J'ai fait au moins je sais pas combien. Franchement, j'ai fait au moins je sais pas combien de parties. Je pense que vous avez autre chose à foutre, je pense. Ah, c'est vrai, vous avez autre chose à foutre. Ouais, je pense que vous avez autre chose à foutre. Ouais, je vais essayer. Après, je vais faire peut-être une ellipse. Ah vas-y, c'est vraiment très chaud, c'est encore plus chaud de jouer avec les flèches, quoi. Là, je peux... Il y a peut-être un moyen. Oui, il y a peut-être un moyen. Il y a un moyen, là. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Vas-y, tu es. Ouf, yes. Ah ouais, attends, magnifique cadeau. Et c'est quoi? Et si je refais une partie, ça fait quoi? Donc là, j'entends le grand carquois. Je vais essayer de rejouer, on va voir ce que je gagne. Bon, si je gagne pas quelque chose d'intéressant, j'arrête. Oh punaise. Je me dirais que je suis chaud là. Je suis chocopops. Chocopops là. Oui, vas-y. Voilà, c'est easy. C'est quoi? Tout ça pour 50 rubis? Tu peux te les mettre les 50 rubis? Ouais. Nous avons réussi à faire pas mal de choses durant cette aventure. Les mecs, je vais m'arrêter là. Écoutez, hein. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, disliker, ou éventuellement vous abonner à ma chaîne, ou éventuellement commenter la vidéo. Ah d'accord, un max de likes. Ou un max de... Un max, quoi. Un max de vues, ce serait bien. Allez, moi je vous dis ciao. Et à la prochaine. Attendez, c'est bon.
vais aller voir ce mec. Attends, je vais aller voir quoi? Je peux pas aller le voir? Attends, j'allais lui parler. Bon, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu. Bon, allez, moi je crois que j'ai arrêté là. Allez, moi je dis ciao et à la... moi je sauvegarde, je dis ciao et à la prochaine, d'accord? Bye, allez, hop!